Bonjour, bienvenue sur la chaîne Contrevent Pop, la pop culture. Donc aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour vous parler de Howard Philip Lovecraft, donc le créateur du mythe de Cthulhu, qui est plus que jamais à la mode dans les romans, dans les BD, dans les films, qui a influencé toute une série d'auteurs et de réalisateurs. D'ailleurs, Stephen King dit de Howard Philip Lovecraft que tout bonnement c'est le meilleur. Donc, vous voyez, comme sacrée référence. Donc, ces dernières semaines sont sorties chez Bragelonne dans les carnets Lovecraft d'Armel Gaulm, Les rats dans les murs. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter aussi L'appel de Cthulhu qui est sorti chez Kihoon. Édition de Gutanabe qui continue ses mangas sur Lovecraft, et je vais vous présenter le magnifique tome 2 Les montagnes hallucinées de monsieur Barranger, François Barranger, qui continue à illustrer donc les nouvelles de Lovecraft. Donc vous voyez, Lovecraft, il est ça, c'est chez Bragelonne aussi. Il est plus que jamais à la mode. Alors, un petit retour sur Howard Philip Lovecraft. Il est né en 1890 à Providence et il est décédé en 1937. De son vivant, il a eu peu de succès. Il a toujours vécu dans la misère, même s'il arrivait à publier dans des nouvelles et des histoires, en particulier dans le magazine Weird Tales. Il a été ami de Robert Howard, l'auteur de Conan le Barbare. Il a participé d'ailleurs à la création de l'univers de Conan le Barbare. Il a aidé Robert Howard à faire le monde de Conan. Il n'a pas eu trop de chance dans sa vie. Il a eu une vie difficile, Lovecraft. Il y a une biographie qui vient de sortir, Je suis Providence, qui est sortie il y a peu de temps et qui est en deux tomes, qui est énorme, qui explique un peu tout ça. Il a eu donc un père qui était malade, qui a fini dément, interné. Sa mère a fini elle aussi, après le décès de son père, par devenir folle et être internée aussi. Lui, enfant, il avait des crises, des terreurs nocturnes. Il n'avait pas été à l'école parce que voilà, il avait une santé très fragile et il faisait beaucoup de dépression. Il a toujours vécu sans le sou dans la misère. Malgré tout, il a réussi à se marier et à vivre quelques années, deux ans à New York, où il avait épousé une femme qui avait un commerce, et ce commerce a fait faillite, donc rien n'allait, le mariage a périclité, et il est revenu vivre dans sa ville de Providence, où il a écrit la plupart de ses nouvelles, et qui sont le lieu de ses histoires, souvent. En 1936, son ami Robert Howard s'est suicidé, là, le créateur de Conan, et donc ça lui a porté encore un coup terrible, et il a fini par mourir d'un cancer en 1937, en n'ayant jamais connu le succès. Donc une vie pas drôle, pas facile pour Lovecraft, qui a connu le succès post-mortem et qui est devenu un des plus grands auteurs de la littérature fantastique, qu'on compare maintenant à Edgar Allan Poe, voilà, à Stephen King, qui a influencé, je disais, une liste incroyable d'auteurs, Clive Barker, Alan Moore, Neil Gaiman, des cinéastes comme John Carpenter, Guillermo del Toro, des artistes comme Giger. Voilà, il y a énormément, et on voit dans tous les films qu'on peut voir souvent des allusions au mythe de Cthulhu et aux grands anciens de Lovecraft. En fait, c'est quoi cette histoire de grands anciens? Ben,
Souvent, les histoires parlent de gens communs, voilà, qui avec c'est très détaillé, ça fait très réaliste. Et puis souvent, ces gens-là, au fur et à mesure de leur enquête, sont amenés à découvrir des choses incroyables et à découvrir la présence de dieux, de créatures. Voilà, gigantesque, incroyable. Et quand ils sont confrontés souvent à l'immensité de ces êtres et de ces créatures qui viennent d'ailleurs, eh bien, ils deviennent fous. Souvent, ils perdent la raison. Et c'est souvent, voilà, très souvent chez Lovecraft, quand ils sont confrontés à l'indicible, comme il dit, eh bien, ils deviennent déments, ils deviennent fous. Leur santé mentale est atteinte. Donc, ce qui est bien chez Lovecraft, c'est qu'on peut lire un petit peu, c'est des nouvelles, des romans, voilà, courts. Il n'y a pas vraiment, on peut le dire dans certains ordres, mais c'est pas obligé. Chaque histoire est différente. Alors, une de ses grandes histoires, c'est bien sûr l'appel de Cthulhu, qui a été illustré chez Bragelonne par François Barranger. Alors, je l'avais présenté déjà dans un grand format. Et les illustrations sont absolument splendides avec le texte, voilà, d'origine. Donc là, c'est en un tome. Voilà, vous voyez, ça c'est Cthulhu. Voilà, et donc ça, c'est bon. Ça, c'est la partie immergée là, quand on voit, mais il y a souvent des enquêtes, alors des fois de détectives, de scientifiques, beaucoup, d'archéologues, voilà, qui essayent de comprendre et d'être rationnels vis-à-vis de ce qu'ils vont découvrir. Donc ça, c'était un premier tome qui a eu beaucoup de succès, voilà, qui est superbe. Et donc du coup, François Barranger, il a continué et il a édité Les Montagnes, il a créé Les Montagnes Hallucinées, il a illustré Les Montagnes Hallucinées. Voilà. Je cherchais le terme. Et donc, Les Montagnes Hallucinées, c'est un groupe de scientifiques qui part à l'aventure, voilà, pour étudier les glaces. Et du coup, au fur et à mesure de leur recherche, ils vont être amenés à rencontrer, il va y avoir des catastrophes, et ils vont être amenés à découvrir qu'il y avait sur place une ancienne cité voilà, en ruine et peut-être des choses à l'intérieur. Donc ça a complètement influencé le film de John Carpenter, The Thing, hein, où il y avait, je ne sais pas si certainement certains s'en souviennent, des créatures comme ça dans les glaces qui attaquaient, qui prenaient le contrôle des personnages. Des aventuriers. Et donc le deuxième tome est sorti aujourd'hui, on est fin octobre. Voilà, le deuxième tome enfin des Montagnes Hallucinées, c'est un plaisir de l'avoir et les illustrations sont splendides. Voilà, il est tout chaud et je peux vous dire que voilà, c'est cité en ruine avec des scientifiques qui parcourent ces cités millénaires dévastées. Et qui essaie de comprendre des civilisations qui sont millénaires. Ouais, c'était au fond des eaux. Et voilà, ça raconte un peu l'histoire de ces créatures et comment. Voilà, l'histoire est super, vraiment, je vous le conseille. Les illustrations, elles sont à tomber. Et puis, voilà, je ne vais pas vous spoiler tout, mais finis par rencontrer des choses quand on cherche. Voilà, donc Les Montagnes Hallucinées, ça c'est le deuxième tome, donc l'histoire est finie et complète. Toujours chez Bragelonne, Armel Gaulm, qui est un illustrateur de talent, avait lui aussi décidé d'illustrer les nouvelles de Lovecraft. Donc il avait commencé par Dagon. Alors là, vous allez voir, c'est plus dans le style. Un peu sketchbook dessiné en noir et blanc, voilà, un peu style carnet de voyage, voilà, des illustrations. Et ça rend très très bien, c'est comme si c'était fait un peu, enfin, je suis pas spécialiste, mais au fusain ou voilà, au crayon. Voilà, il a fait Dagon, c'était un très bon premier tome. Une autre histoire qu'il avait illustrée, c'est La Cité sans nom.
Voilà, toujours chez Bragelonne. Donc ça coûte 15, 16 euros. Les grands tomes de François Barranger, ça coûte 25 euros. Je dis pas de bêtises. 29,90 euros, 30 euros. Toujours, voilà, cette cité perdue au fond des déserts, moi, ça me fait tout de suite rêver. Voilà, le côté, voilà, c'est au fond du désert, une cité ancienne, abandonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Des créatures, des civilisations inconnues, voilà, tout le côté archéologue. Voilà, ça, c'est absolument extra. Et puis, le troisième tome qui est sorti il y a peu de temps, Les rats dans les murs, voilà, une histoire influencée beaucoup par Poe, sur un manoir qui va être repris par voilà, un manoir familial, qui est repris par un descendant et qui essaie de restaurer ce manoir. Et il s'est passé bien sûr des choses horribles dans ce manoir. Et on va comprendre assez vite pourquoi voilà, il y a des rats dans les murs et qu'est-ce qui s'est passé, depuis combien de temps ce manoir existe là. Donc, les dessins sont super, moi j'ai trouvé que c'était absolument excellent. Elle est un peu plus épaisse que les autres, là ça fait 100, 120 pages à peu près. Voilà, très très bien. Et pour continuer sur Lovecraft, qui est plus que jamais à la mode, eh bien, chez Kihoun Édition, Gutanabe, qui est un dessinateur de manga, s'est décidé à illustrer les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et donc, il a commencé par faire Les Montagnes Hallucinées en deux tomes. Alors, son trait, alors ça se lit à l'envers, hein, puisque c'est les mangas, c'est pas dans notre sens de lecture. Son trait en noir et blanc de manga colle parfaitement à l'univers de Lovecraft et c'est voilà une façon différente de voir de relire l'histoire et franchement il a fait un travail extraordinaire, c'est un régal de redécouvrir en manga les histoires de Lovecraft. Voilà, c'est du noir et blanc et franchement ouais, c'est super. Donc ça, il avait fait un premier tome et comme François Barranger, il a fait le deuxième tome des Montagnes Hallucinées. C'était Montagnes Hallucinées, Guillermo del Toro se bat depuis des années pour l'adapter en film. Il n'y est pas encore arrivé, mais un jour, ça va se faire. C'est obligé. Voilà. Moi, j'ai adoré aussi. Pourtant, je ne suis pas un grand lecteur de manga. Les couvertures sont une espèce de simili-cuir, donc c'est très chouette. Il a ensuite fait L'Abîme du Temps pour Sikihoun. Alors ça vaut, je sais pas le prix là, mais ça vaut vingtaine d'euros. Donc L'Abîme du Temps, ça c'est en un seul tome. Alors ça se recoupe, on retrouve des personnages, voilà, qui étaient dans Les Montagnes Hallucinées, avec la miscatonique, voilà, qui étudie ces phénomènes-là, l'université qui a des savants qui étudient les. Et on retrouve voilà, des créatures qui viennent d'ailleurs, une sorte d'extraterrestres qui prennent le corps de scientifiques et qui, du coup, ils échangent leur corps et ils se retrouvent là-bas dans les civilisations extraterrestres. Bref, c'est très très bien. Très très bien. Après, il avait fait La couleur tombée du ciel. La couleur tombée du ciel, elle a été adaptée en film avec Nicolas Cage là, il n'y a pas longtemps. Apparemment, c'est un navet, encore une fois. Les films de Lovecraft, ils n'arrivent pas trop à faire, hein. Mais ils essayent. Je ne l'ai pas vu. Hein. Après, on n'a dit que du mal. La couleur tombée du ciel, c'est une histoire d'horreur assez classique avec quelque chose qui tombe dans un puits de paysans. Et en fait, ce puits, cette eau va tout contaminer. Cette chose qui est tombée là-dedans va tout contaminer, le sol, les bêtes, les gens qui habitent là, et ça va virer à l'horreur avec des transformations, voilà, ça va très très mal se passer, donc horreur typique. Voilà, c'était bien aussi. Et après, il vient de sortir, toujours par Gutanabe, L'Appel de Cthulhu,
J'ai trouvé que c'était le meilleur de tous au niveau des mangas. Là. Je me suis régalé avec l'appel de Cthulhu en manga. Voilà, là, franchement, j'ai trouvé vraiment super bien dessiné. Ça rend vraiment bien avec l'histoire. Voilà. Toujours, voilà, il a toujours un lien entre ces différentes histoires, Lovecraft. On retrouve des personnages, des créatures. Donc franchement, il a un univers. Voilà, il a créé un univers. Alors c'est vrai que le personnage est controversé. Voilà, il y a eu pas mal d'accusations de racisme. Effectivement, quand on reprend ses correspondances, Lovecraft n'était pas un type très très bien, un type assez raciste. Mais ça n'empêche que son œuvre est super intéressante, extraordinaire. Et à l'heure actuelle, il a tellement d'influence sur tout ce qui se fait que bon, là, il faut y aller, il faut y jeter un coup d'œil. Et vous allez vous régaler avec ces publications-là qui n'arrêtent pas de sortir pour redonner vie à tout ça. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à Howard Philip Lovecraft et à ses illustrateurs de grand talent. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, en particulier sur ce que j'ai derrière moi, Jean-Philippe Jaworski et son superbe collector Matière de Lomance qui vient de sortir. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog Contrebande Pop Culture. Au revoir.